Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokunzi. Mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, ou le soir ou à midi, ça dépend de l'heure et du lieu où vous nous regardez. Quand on commence cette émission, nous avons seulement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission à Décrit Info. Le Décrit Info est un magazine d'opinion où moi, Monsieur Claude Perrouloira, on m'appelle Monsieur CPL. Je viens, je vous dis, regardez les amis, regardez mes frères, mes sœurs, la situation dans votre pays. Moi, je viens, je vous dis, écoutez, voici ce que moi j'en pense. Ici, c'est vraiment une opinion, c'est un point de vue que je viens effectivement relayer dans le cadre de cette émission. Et j'ai toujours dit que... nous sommes République démocratique du Congo. Nous ne pouvons nullement parler de la démocratie si on n'a pas la possibilité de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir exprimer nos opinions. Donc, on a décrit en fond à tout simplement Kobe Tamasolo et à ma opinion. Nous sommes mardi aujourd'hui. Je voudrais vraiment la main sur le cœur vous souhaiter un bon début de semaine, une très bonne semaine à vous tous. Je voudrais vraiment prier que Dieu vous accorde sagesse, intelligence, grâce. Vos voeux le plus ardent, le plus important puissent s'accomplir par rapport à semaine Oyo. Zambasa Abino Bolamou, beaucoup Tana Bolamou, ça fait énormément plaisir, ça fait énormément de bien, ça fait beaucoup de bien. Donc je suis très très heureux de vous retrouver donc, et je tiens à vous dire très sincèrement merci. Je voudrais donc vous réitérer mes remerciements pour la confiance, pour les encouragements, pour l'intérêt que vous ne cessez de multiplier pour cette émission. Vous n'arrêtez de nous suivre, vous n'arrêtez d'être derrière nous, et j'ai toujours dit, nous existons parce que vous, nos nombreux téléspectateurs, vous existez. CPL existe aujourd'hui, c'est parce que vous aussi vous existez. C'est parce que vous aussi vous existez, donc je voulais vraiment la main sur le cœur vous dire merci. Merci, 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 merci. Félix Alouani, alors, avant de commencer cette émission, vous connaissez mes trois ou quatre demandes. La première des choses, vraiment la main sur le cœur, je tiens à vous demander de pouvoir vous abonner à ma chaîne. La main sur le cœur, sincèrement, je vous prie de pouvoir bien vouloir vous abonner sur CPL Télévision. Regardez votre partenaire, la personne qui est assise à côté de vous. Elle n'est pas encore abonnée, votre enfant, votre fille, je ne sais pas moi quoi, s'il vous plaît, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est une marque aussi d'encouragement pour nous. Nous sommes aujourd'hui à combien? À quelque chose comme 84 700. En tout cas, abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça me fait énormément de bien. Deuxième chose, je vais vraiment vous demander la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo et à pouvoir la partager. Aimez cette vidéo et partagez-la.
Ça, c'est important aussi parce que ça nous met à l'abri de certaines actions de malfaisance des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et puis, troisième chose que je voudrais vraiment la main sur le cœur vous demander, c'est de pouvoir appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Moulati Sikitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Maman a Lulu, Lucille, Diafoukamato Tamayel. Judith, alors on a Paris. Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Contactez donc notre partenaire, Judith Londolé Betoko, avec sa boutique La Londoloise. Veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc chez Judith Londolé Betoko. C'est aussi une manière vraiment de nous aider parce que j'ai toujours répété que nous avons des accords et des partenariats avec Judith Londolé Betoko. Ces partenariats-là existent et ces partenariats-là vivent parce que vous vous appelez, vous vous achetez. Et nous, nous avons justement les retombées de ce que vous vous achetez. Quand vous achetez, dites que nous appelons de la part des CPL de Pérou Loira. Et à la fin du mois, elle et moi, on fait les comptes, la comptabilité de ce que CPL aura apporté. Et donc, j'ai des pourcentages et des dividendes. Ça nous permet justement de vivre. Ça nous permet aussi de pouvoir améliorer la qualité du travail que nous faisons pour vous. Ça nous amène donc à acheter un micro, acheter ceci, acheter cela. C'est donc important ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, faites-les et ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. Mes amis, je suis donc venu aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de choses. Je parlerai des élections, je parlerai de la question à l'Assemblée nationale parce que nous sommes heureux d'avoir mis à nu une véritable mafia où la République est saignée à blanc. Ce que nous attendons maintenant, c'est que, au-delà de l'indignation, que les jouisseurs qui sont au sommet de l'État puissent écouter l'indignation de leur peuple et qu'ils puissent revenir sur la mafia qu'ils ont installée, notamment à l'Assemblée nationale, en distribuant de l'argent comme des petits pains. Et j'aborderai aussi une autre question, c'est la question des maisons récupérées ou des maisons arrachées. Voilà, donc aujourd'hui j'espère que j'aurai un peu le temps pour ramasser tous ces cocktails de ces sujets-là. Et je souhaite vraiment avoir le temps pour finir tout ça. Mais si il advenait que je ne puisse pas terminer toutes les questions retenues dans le cadre de cette émission, je vais renvoyer d'autres à mon décrit de demain, parce que demain aussi, nous serons avec vous. Les amis, mais avant de commencer, laissez-moi et permettez-moi de respecter un principe, de respecter un engagement solennel que je prie ici devant vous. Mon engagement, c'est l'engagement de parler de l'Est et de la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je suis Congolais et mon cœur bat pour ce pays-là. Je l'ai fait parce que je refuse une sorte de culpabilité personnelle. Parce que je vous dis sincèrement la vérité, que je commençais à un moment donné à me culpabiliser par rapport à cette situation-là. Je commençais à me dire, mais comment est-ce que nous tous, on peut être dans une sorte d'inconscience? Nous avons des problèmes chez nous, mais on a vraiment l'impression que les gens ne sont pas mobilisés, les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays. Et c'est comme ça que moi, j'avais pris l'engagement de commencer tous mes décrits par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai décidé de le faire pour deux raisons. La première des raisons, c'est un peu pour jouer au lanceur d'alerte. Je voudrais que partout où vous êtes, chers frères, chers compatriotes, chers téléspectateurs, que vous soyez congolais ou que vous soyez d'une autre nationalité, mon vœu le plus ardent, c'est de vous amener à comprendre et à être informé de la situation dramatique que les Congolais de l'Est de la République sont en train de vivre. Ça fait deux décennies que dans ce coin de mon pays, on tue, on viole, on massacre. Les statistiques parlent de plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Et moi, je suis très mal à l'aise et énervé de constater que cette situation-là est à émouvoir sous Batouté. On tue dans l'Est de la République le commandant suprême. Lui, il est dans des matangas, il est dans des fêtes. Il est dans les bruits, comme les Congolais disent. Et cette
situation d'anormalité, moi, ça commençait à m'énerver. C'est comme ça, vraiment, que j'avais décidé de ne commencer mes émissions que sur cette situation-là. Pour vous rappeler que ça ne va pas dans l'est de votre pays. Et j'ai toujours dit, si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, moi, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, j'ai accompli mon travail. Et je voudrais vous demander à vous aussi, partout où vous êtes, de pouvoir réfléchir sur ce que vous pouvez faire pour votre pays. Parce que les amis, ça tue, ça massacre et ça viole dans votre pays. Deuxième chose pour laquelle je fais ces choses, je les fais pour exprimer ma compassion et ma solidarité par rapport à nos compatriotes de l'Est et de la République. Goma, Bukavu, je parle du Nord Kivu, je parle du Sud Kivu, je parle de l'Ituri. Pour leur expliquer qu'ils ne sont pas seuls. Pour leur envoyer des ondes positives et leur dire, chers frères, chers sœurs, soyez courageux, restez debout. Ne perdez pas espoir. Le soleil finira par se lever par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ne perdez pas espoir. Cette situation changera et un jour, la paix reviendra totalement dans l'Est de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire, deux, trois choses. Je voulais, avant de quitter là-bas aussi, mais exprimer ma désolation. J'ai vu sur les réseaux sociaux que dans le cadre de la force, dans le cadre de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le Soudan du Sud, Djouba ici, le Soudan du Sud, a voté dans son parlement une dotation, je crois, de 6 millions, hein, 6 ou 5 millions de dollars américains, pouvant permettre la transportation de leurs troupes pour participer à ramener la paix dans l'Est de la République. Les amis, regardez là où M. Tshisekedi nous a amenés. Regardez là où M. Tshisekedi amène ce pays. Regardez là où les autorités de ce pays nous amènent. Le Soudan qui a obtenu son indépendance ici en 2010 ou 2011, si ma mémoire ne me trahit pas. Le Soudan qui n'a rien d'intéressant chez lui. Qui lui-même vit des situations compliquées. Rappelez-vous, ça a déjà commencé à l'époque où ils étaient encore ensemble. Avec le président Bachir, je crois. Attends, le nom va revenir. Je crois que c'est ça. J'ai un trou, comme on dit. Le Soudan, aujourd'hui, va envoyer les troupes pour venir combattre chez nous. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous voyez là où on est descendu. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà l'armée ougandaise, nous avons l'armée rwandaise à Bounagana, nous avons les Burundais dans l'Est, dans le Sud Kivu. Maintenant, on va voir les Sud-Soudanais. Non, le Congo mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Le Congo mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Nous ne pouvons pas galvauder notre honneur, jeter en pâture notre dignité comme peuple, comme pays. Nous devons, nous tous, travailler pour que dans ce pays, nous ayons des autorités capables de se lever et de travailler pour que le Congo se sente mieux. Nous devons nous battre, les amis. Nous devons nous battre. Là où on a amené le pays, la place n'existe pas. Heureusement qu'on est à la veille de 2023. J'espère seulement que nous aurons des élections en 2023, parce que là aussi, j'en parlerai, on commence à faire des manœuvres pour que ces élections-là ne puissent pas avoir lieu. Il faut vraiment qu'on travaille pour que nous ayons des élections et que nous puissions nous débarrasser de ces jouisseurs et de ces incompétents qui sont à la tête de notre pays, afin de donner une chance à la République démocratique du Congo pour lui permettre de se trouver des dirigeants capables d'apporter un mieux-être à son peuple et à son existence. C'est donc très important ce que je suis en train de dire. Et quand je parle de l'Est et de la République démocratique du Congo, j'ai toujours tendance à m'incliner devant le travail d'un homme, devant une fierté nationale, c'est le docteur Denis Mukwege. J'entends beaucoup de Congolais appeler le docteur Denis Mukwege à être candidat président de la République. Et j'ai vu que rien que ces appels ont déjà créé la panique dans le rang des jouisseurs. Le régime est en train de trembler.
J'ai vu qu'ils ont envoyé des gens insulter le docteur Mukwege. Mais j'ai aimé aussi une réponse que j'ai vue dans les réseaux sociaux qu'on attribue à Fabien Kouswanika. Je vais tenter de l'appeler pour vérifier si c'est vraiment lui qui a dit ça. Il a dit, comparer le docteur Denis Mukwege à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est comme comparer Michael Jackson à Chaka Kongo. Donc, aux yeux de Michael Jackson, le roi de la pop, musicien, au lieu de comparer à Chaka Kongo, il y a bien à Kongo, artiste en danger. Donc, au lieu de Michael Jackson, au lieu de Chaka Kongo, artiste en danger. Donc, comparer Félix Tshisekedi et le docteur Mukwege, c'est comparer Michael Jackson et Chaka Kongo. Je crois que c'est Fabien Kouswanika qui a dit ça. Mais je lui donne raison. Il a totalement raison. On ne peut pas comparer l'incomparable. Je ne vois pas par où on peut comparer M. Félix Tshisekedi avec le docteur Denis Mukwege. Même si aujourd'hui, dans leur jouissance et dans leur incompétence, ils ont mis en place une sorte de batterie de personnes pour insulter, dénigrer le docteur Denis Mukwege. Mais Mukwege était comparable avec eux, sur tous les plans. Sur tous les plans. Mukwege, c'est un nom. Mukwege, c'est une histoire. Mukwege, c'est un parcours. C'est une fierté. Mukwege, c'est des études bien faites. C'est un cursus scolaire, vérifiable, adéquat. Mukwege, c'est la moralité. C'est l'abandon, le don de soi. Mukwege, c'est l'intérêt collectif. Alors qu'en face, du côté de Chaka Kongo, vous n'avez pas tout ça. De l'autre côté, vous avez la jouissance, l'incompétence, la médiocrité, le détournement. Un parcours scolaire chaotique, sinueux. Une gestion alambiquée. Une gestion catastrophique, basée sur l'intérêt personnel. Moi d'abord. Donc des fois, ne vous exposez pas, s'il vous plaît, ne vous exposez pas. Moi je leur dis toujours, détournez comme vous détournez. Continuez la justice comme vous le faites, mais arrêtez un peu de vous permettre un certain nombre de choses parce que Bogobimi Sabatuna Bloko Babombagide, l'autre comme Bakomo Lobano, Fabien Kouswani Gabi comparé Félix Tshisekedi. Si c'est lui qui l'a dit, parce que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, comparer Félix Tshisekedi à Denis Mukwege à Félix Tshisekedi, c'est comme comparer Michael Jackson avec Chaka Kongo. Bon, je dis c'est bien trouvé. Il n'est pas loin de la vérité. Les amis, laissez-moi en venir à mes sujets du jour. Je suis très très heureux d'avoir lancé une alerte ici lorsque j'ai parlé de la situation de la mafia. La mafia organisée qui s'est installée aujourd'hui dans le pays et qui a des tentacules, des branches dans toutes les institutions de la République. Parmi ces institutions, j'ai épinglé ici devant vous l'Assemblée nationale. Je l'ai dit et je le répète, chers compatriotes, chers frères. L'Assemblée nationale est un organe de pillage de vos ressources. Des gens sans cœur, sans pitié. Des gens sans âme, qui ont vendu leurs âmes à l'argent. Des gens qui ont été élus de manière frauduleuse pour la plupart. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'UDPS qui nous a dit que la plupart des députés qui sont là n'ont pas été élus. C'est des députés qui ont été nommés et je le confirme. Ces gens qui ont été nommés ont fait aujourd'hui du pillage des caisses des ressources de l'État, leur cheval de bataille. Je suis heureux que Martin Fayulu Madidi ait décidé de me rejoindre dans mes dénonciations. Laissez-moi d'abord vous lire deux correspondances que j'ai vues. Le premier, c'est celle de M. Martin Fayulu Madidi. Et le second, c'est un député que je connais très bien, mon ami le député, l'honorable Iracham, qui lui a répondu. Je donnerai mon point de vue là-dessus avant de passer aux autres questions d'actualité retenue dans le cadre de cette émission. J'ai un communiqué de M. Martin Fayulu. Martin Fayulu m'a dit, il dit, message au peuple congolais en rapport avec la corruption à l'Assemblée nationale. Les députés congolais sont parmi les mieux rémunérés du monde. Voilà ce que Martin Fayulu dit. Chers compatriotes, je suis profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022, à 21 000 dollars américains par mois, en violation flagrante de la loi budgétaire. Il m'est en effet difficile de comprendre dans un pays comme la République démocratique du Congo, où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, un député soit rémunéré 15 fois
retenez, 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin, 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Cela veut tout simplement dire que les députés d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde est rémunéré plus qu'un député français ou américain, tout part donc en vrille. Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puisse augmenter de plus de 100% la rémunération des députés nationaux? Si l'on ajoute les sommes colossales versées aux membres du bureau, cette augmentation inexplicable représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions de dollars américains, et ce, de janvier 2022 à février 2024, date de la fin de ce mandat. Cela s'appelle corruption à grande échelle, gabégie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de la légitimité interne. J'exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. À ce stade, le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Je demande aussi à la population congolaise de suivre de près cette situation qui, en réalité, est un achat de conscience par les braquages des caisses de l'État. Le Congo n'a pas besoin des députés Goudillot auxquels l'ont fait faire n'importe quoi à coup de libéralité pour sous forme des billets des banques ou des dons en véhicule. Congolais, réveillez-vous. Que Dieu bénisse le Congo, fait à Kinshasa le 30 août, Martin Fayulu m'a dit. Immédiatement, j'ai vu un communiqué de ce qu'ils appellent collectif des députés nationaux des 26 provinces, C26. Le communiqué est signé par mon ami le député Gratien de Saint-Nicolas Iratchan. Je vais d'ailleurs l'appeler après cette émission. Le collectif des députés nationaux des 26 provinces constate avec un profond regret la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple dans une déclaration erronée de Martin Fayulu visant à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. C26 informe l'opinion nationale que l'émolument du député national est resté inchangé depuis 2021. Il est conforme à la loi des finances et n'atteint même pas 30% de la somme évoquée par des laboratoires bien connus. Ce paiement est effectué tant soit peu par rapport à la dignité d'un député national en tant qu'élu légitime du peuple congolais tel que le stipule la Constitution. C26 invite Martin Fayulu à puiser des informations correctes auprès des députés nationaux de l'ECID présents à l'Assemblée nationale qui participent régulièrement à toutes les séances sur les finances de la Chambre basse avec possibilité d'accès dans toutes les commissions et documents confidentiels. En cas de contrôle, il existe des procédures régulières et conformes au règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour suivre ce genre de demandes. Le collectif se réunira dès la rentrée parlementaire de la session parlementaire pour éclairer davantage l'opinion par rapport à la réalité des faits. Kinshasa, le 30 août, le coordonnateur, l'honorable ingénieur Iratchan Gratien de Saint-Nicolas. Voilà les amis, les deux communiqués contradictoires qui sont sortis aujourd'hui. D'un côté, vous avez M. Martin Fayulu Madidi, et de l'autre, vous avez donc les communiqués de l'honorable Iracham. Je regarde ma caméra et je dis, je suis très très heureux que Martin Fayulu Madidi ait décidé de me rejoindre dans le combat que j'ai lancé depuis quelques jours pour dénoncer, moi j'appelle ça une mafia, organisée par une bande de jouisseurs qui ont fait de l'intérêt individuel le socle de la gestion de la République. Et ici, je voudrais en appeler à tous les Congolais. Aussi longtemps que nous ne serons pas exigeants, aussi longtemps que nous laisserons des bandes, des gens, des cliques de personnes profiter et faire ce qu'ils veulent de notre pays, ce pays-là ne se développera pas. Donc ici, je salue
L'honorable Martin Fayoulou, le président élu, comme lui-même il aime bien se faire appeler, d'avoir rejoint la dénonciation que j'ai commencée. Les amis, je vous dis la vérité. L'Assemblée nationale est un organe de pillage de vos ressources. Ces députés qui n'ont pas été élus pour la plupart, qui ont été nommés, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'UDPS qui l'a dit, ne sont là que pour leurs propres intérêts. Les intérêts du peuple ne représentent rien. Martin Fayoulou est chef d'une grande famille politique. Il a des députés au sein de l'hémicycle. Parce que j'ai vu, comme moi j'ai dénoncé ici, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a regroupé ses chiens de garde. J'ai vu des charlatans se répandre dans les réseaux sociaux, des journaleux, des gens qui ont échoué dans leur branche d'études, qui n'ont pas fait écho, des mécaniciens, des tailleurs, des infirmiers, des docteurs, des juristes, des ingénieurs, qui n'ont pas fait leur chemin dans leur domaine de formation et qui ont atterri dans le journalisme comme des cheveux dans la soupe. Ils se sont répandus à la télévision pour dire, écoutez, où sont les preuves? Il a menti. Martin Fayoulou est chef d'une grande famille politique. Il vous dit, c'est une mafia, une bande de mafias qui est organisée au niveau de l'Assemblée nationale. Les amis, je confirme ce que je vous dis. Un député national touche 21 000 dollars américains. C'est facile à vérifier. Même s'il cache des chiffres, vous avez des frères, vous avez des parents, vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des oncles et des tantes qui sont à l'Assemblée. Vérifiez. Un député, à l'heure où nous parlons, il touche 21 000 dollars américains. 21 000. Et dans ces 21 000, les députés de l'Union sacrée ont une autre prime de 1 000 dollars. Ça fait 22 000. À ces 22 000, il faut ajouter les 5 000 dollars que Mbosso leur donne. Ça vous fait 27 000 dollars. Je l'ai dit. 27 000. Mbosso lui-même, Mbosso Christophe, il n'a pas moins de 3 millions de dollars par mois qu'on lui donne. 3 millions de dollars. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit. Regardez comment il a rajeuni. Martin Fayoulou me rejoint, ça c'est une bonne chose. Regardez comment il a rajeuni. Regardez comment il est prêt à donner des coups quand on parle de Félix Tshisekedi. J'ai parlé de Mbata ici. J'ai vu qu'il a envoyé des gens pour me contrer. Mbata touche 200 000 dollars américains. 200 000 de frais d'émoliment. 100 000 dollars de primes de collaboration avec Mbosso. 55 000 dollars de frais fonds secrets de recherche. Plus les 500 000 dollars que Sam Alukonde Michel lui donne. Pour soi-disant gérer les députés. Je l'ai dit ici. Je vous ai dit qu'au mois de juillet dernier ici, Félix Tshisekedi a donné 63 000 dollars à chaque député. 63 000, 63 000, 63 000. Prime de vacances parlementaires. C'était une manière pour lui de les corrompre pour qu'il lui donne l'autorisation, comment on appelle ça, la loi d'habilitation. Pour que l'Assemblée, le gouvernement puisse avoir la possibilité de légiférer. Ils ont eu 63 000, 63 000 dollars à chacun. Ils sont 500. Qui a contredit ça? Qu'un député vienne ici qui vous dise qu'il n'a pas pris 63 000 dollars. Zoa 63 000 dollars, multiplie ça fois 500. On est dans les 30 millions de dollars que Tshisekedi a sorti du coup pour payer à ces gens. On est dans quel pays, les amis? Je vous ai dit ici qu'il a trouvé un ministre à l'époque de Kabila à 11 000 dollars américains. Aujourd'hui, il paye un ministre plus de 40 000 dollars américains. Je l'ai dit. 40 000 dollars. Et au moment où je vous parle, je suis en train d'exploiter des documents. Je viendrai maintenant vous montrer la liste des membres des cabinets de M. Tshisekedi. Là, c'est encore... Vous allez tomber. Kamere a dit, quand ils sont arrivés, il a triplé les salaires à la présidence. Là, c'est encore pire. Quand vous allez apprendre combien les directeurs des cabinets de Tshisekedi gagnent. Je suis en train de lire les documents. Je viendrai encore vous dire ici. Mais c'est quel pays? Mais quand Iracham vient dire que ce n'est même pas les 30% de ce qu'on vous donne, qu'Iracham vienne vous dire combien un député gagne, il va vous amener l'office. Voilà comment ils font. Il va vous amener des chiffres officiels répertoriés. Vous allez voir que officiellement, ils peuvent parler des émoluments
de 12 000 ou de 11 000. Ça, c'est officiellement. Maintenant, il crée des rubriques. Il crée des rubriques. Bappé, c'est officiellement 11 000. Ozongi Boro, frère de ceci. Tout compte fait, quand tu rassembles tout ça, tu as 21 000 dollars par mois. C'est connu. Et vous pensez que ces gens vous aiment. Les amis, tu sais qu'il dit aujourd'hui, parmi les fiertés des gens qui parlent, ils parlent de Jules Alenguette. Monsieur Patrie Financière, vous connaissez ma position sur Jules Alenguette. Quand quelque chose de bien est fait, moi je m'incline. Jules Alenguette, j'estime que nous devons lui jeter des fleurs pour le travail qu'il fait. La patrie financière qui toque. Jules Alenguette, il a des combats à gauche et à droite. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, j'estime que elles n'allaient pas Tshisekedi, elles n'allaient pas Kabeze, pas Katumbi. S'il y a quelque chose de bien qui est fait, il faut le saluer. Il faut le saluer, le travail de Jules Alenguette. Ça, je salue. Même si aujourd'hui, il y a des Bazo Bunda Bango Bango entre Bango. Bazaya qui a oh, Tony Mwaba, Bundi Babundi. Ce qu'on a au Kyo, Adel Kainda. Adel a continué à jouer là-bas pour t'en avoir ma tabakita. Mais Bino Bozo s'est fragilisé. Bino Bozo s'est fragilisé. Et autre chose, voyez le général Kabuit, le patron des services nationaux, il fait un travail remarquable. Mon général, chapeau. Là aussi, je salue. Vous avez vu aujourd'hui le service national que Mouzia avait laissé, le général Kabuit a récupéré ça. Et le service national revit aujourd'hui. Il fait le maïs qu'il va distribuer dans les camps. J'ai vu que des tonnes et des tonnes de maïs sont arrivées par train à Kananga. Des maïs provenant de Kanyemaka, c'est. Chapeau bas au général. Mais les amis, vous vous rendez compte que ce monsieur-là, le général Kabuit, le gouvernement de la République ne lui donne que 5 millions de dollars américains. 5 millions. Tout ce qu'il fait là avec les maïs qu'il est en train de vendre, c'est avec 5 millions. Comment vous pouvez expliquer ça? Si, avec 5 millions de dollars, le général Kabuit peut vous produire autant et faire autant de productions, autant de miracles. Mais les 37 millions ou les 40 millions qu'on a dépensés pour les palissades, le plus de 30 millions qu'on a donné aux députés ici, en leur donnant 63 millions, l'argent qu'il dépense n'importe comment. Les 4 millions qu'il est allé dépenser à Marbella pour sa jouissance. Les 2 500 000 dollars qu'il dépense pour ses voyages touristiques. Il se promène comme ça. Il est à gauche et à droite. Comme ça. Il se promène comme ça. Sans résultat. Plus de 200 voyages depuis qu'il est là. Si ce monsieur-là, le général, peut arriver à faire les miracles qu'il est en train de faire, je l'ai suivi dire 5 millions de dollars qu'on lui donne. Imaginez un peu que Bazu va mourir sur toi, na basangi c'est pécier. Bah comme si attend à 50 millions à Pamba Babi, ok, 50 millions. Est-ce que Batouba Ozanga masangu na Mbujimayi? Chez lui à Kabeyaka Mwanga, les gens n'ont plus à manger. Chez Tshisekedi à Kabeyaka Mwanga, à Mbujimayi c'est la faim. Les motards et les rois que vous voyez, ils fuient la faim chez lui. Un gouvernement, un homme qui ne sait pas hiérarchiser les priorités. On est tellement dans la jouissance, on est tellement dans la calamité, on ne peut pas comprendre les priorités, prioriser les choses. Vous donnez 5 millions de dollars à Kabuit, le général, Kanyamaka CC, service national, mon général, chapeau bas à vous. Il vous faut des miracles comme il fait avec 5 millions. Mais financez ce monsieur. Vous prenez l'argent, vous allez donner à ces gens qui n'ont pas été élus, on distribue de l'argent comme des cacahuètes, chers frères. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Je vous dis que les députés nationaux, là, c'est une bande qui participe à une mafia. Ils n'aiment, vous aiment pas les Congolais. Sinon, comment ces gens peuvent accepter d'être payés comme ça, dans un pays en guerre? Martin Fayoulou, bravo, bienvenue dans mon camp. Et les députés Iratchan que je connais moi personnellement, je suis déçu. Je suis déçu. Pour défendre votre ventre, vous pouvez écrire des communiqués comme ça. Iratchan, que moi je connais, c'est un homme de valeur. Ce n'est pas un homme qui doit se cacher derrière des opérations de corruption. Vous vous dites que ce n'est pas 21 millions. Dites-nous c'est combien vous gagnez. Je sais qu'il va venir vous sortir la fiche de paie officielle. Mais au-delà de ça, il y a des invisibles que eux appellent, eux députés invisibles, qui les amènent à 21 000 dollars. C'est ça le régime des prédateurs ici. Des incompétents et des jouisseurs. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Congolais, levez-vous. Ces gens ne sont pas là pour nous.
qui sont là pour leurs propres intérêts. Je vous dis que les chiffres que j'ai donnés sont confirmés. C'est des chiffres vrais. C'est des chiffres vrais. Basu 63 000 dollars à chaque député, chacun 63 000. Moi, je l'ai dit ici, allez, Basu, ils ont envoyé des gens m'insulter à la télévision. Bon, fin à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou vient me rejoindre dans mon camp. Il faut que les Congolais viennent nombreux pour que nous puissions dénoncer ça. Il faut que les Congolais viennent nombreux. Un général touche combien? Un général dans ce pays touche combien? Un colonel? Un soldat que vous envoyez mourir dans l'est de la République, vous lui donnez combien? Voyez les policiers, combien ils sont. 4 ans depuis que Tshisekedi est là. Bottine était, cinglé était, imprimé. Et l'autre côté, ils achètent eux-mêmes leurs tenues. Ils ont eu 40 000. J'ai appelé à Kinshasa hier, on m'a dit qu'il est commis déjà 60 ou 70 000. Un policier qui doit acheter lui-même sa propre tenue. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Ça se passe dans les régimes de Tshisekedi ici. Et à la place, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils sont en train de... Non! Arrêtez un peu ça. De peu, moi j'ai toujours dit. De peu, aimons un peu ce pays. C'est le seul bien commun que nous avons. On ne peut pas l'abandonner entre des mains inexpertes comme ça, des mafieux. Qui ne pensent qu'à leur propre ventre et à leur propre famille. De peu, aimons un peu ce pays. C'est quand même notre pays. Donc je tenais vraiment à saluer l'implication de Martin Fayoulou qui m'a rejoint. J'appelle d'autres leaders politiques à me rejoindre. On doit former un bloc pour continuer à dénoncer cette mafia à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du tout normal. Nous devons former un bloc pour secouer Félix Tshisekedi et tous les prédateurs qui l'entourent. Je reviendrai ici. Je suis en train d'épulcher un à un les papiers à la présidence de la République. Je vais vous dire combien ils gagnent. Là aussi, vous allez tomber. Le fils de Tshisekedi fait des choses terribles. Je vous dis, il fait des choses terribles. À la Banque Centrale, n'en parlons pas. La Banque Centrale est devenue une jungle aujourd'hui. Moi, j'ai des entrées à la Banque Centrale. On me dit ce qui se passe actuellement, ils n'ont jamais vécu. À la Banque Centrale, c'est devenu comme une boutique. Aucune procédure n'est respectée. Aucune. Félix et ses hommes croient que la Banque Centrale est leur poche. Ils peuvent se réveiller un matin par un simple coup de fil. Mais dossier moi comme on a bon les Kisango. Kabedi est en train de passer les dossiers. C'est comme ça. C'est une calamité qu'ils ont installée là-bas. La Banque Centrale est devenue une poubelle. Tout passe. Je reviens. Je suis en train de réunir des documents. Je vais vous montrer des choses. J'ai écrit un papier, on m'a contredit hier ici. La vérité commence à sortir. La gouverneure de la Banque Centrale. Cité dans une affaire, j'enquête encore là-dessus. Je vais vous amener des éléments dans des investissements avec les Canadiens. Des millions de dollars partis en fumée. Je vais revenir. Je vais revenir. Avec des noms. Avec des noms. Bah, comme si Banque Centrale boutique. Donc, j'ai un haut placé de la Banque Centrale qui m'a dit, Perrault, ce qui se passe dans cette banque, Banque Centrale du Congo, même les boutiques de Kato, des gens qui ont leur boutique à Kato, ou des mamans qui vendent à Lou, voilà, ils gèrent mieux. Ils peuvent savoir que les poutons sont sur le maman qui est tamponnant. Ici, c'est... Non! C'est la jungle qui s'est installée là-bas. Et je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont installé Maman Kabedi. Pour lui donner des injonctions. Lui, elle aussi, elle exécute. Je vais faire toute une émission sur la Banque Centrale. Je suis encore en train de rassembler des éléments. Vous allez tomber, vous allez vous rendre compte que ces gens ici, il faut vite... Je vous dis toujours, chaque minute, chaque seconde, que la bande de Tshisekedi passe à la tête de notre pays, nous complique la vie et nous insécurise, nous met en danger. Nous avons eu une élection en 2023. C'est terrible ce que ces gens sont en train de faire. Et on leur explique, le Congo est un patrimoine commun, c'est un bien à nous tous. Moutabank samuningate. Les gens étaient en train de souffrir, vous étiez à Bruxelles en train de boire là-bas. Vous étiez à Bruxelles en train de vous amuser, en train de boire. On vous donne le pouvoir gracieusement. Moutabank samuningate.
Voilà ce que j'avais à dire sur le... Les amis, j'ai vu les gens monter au créneau sur cette affaire depuis Soumabilou Mbaïmoukal. En train d'arracher des maisons. Bravo, puce. Bravo. Mais je vais poser une question simple au ministre de l'urbanisme et habitat. Puce Mbaïmoukal Mbaïmoukala. Puce Mbaïmoukal. Une question simple. Est-ce que Monsieur Puce Mbaïmoukal est-il devenu un ministre de déguerpissement ou c'est un ministre de l'urbanisme et habitat? Est-ce que Puce Mbaïmoukal peut vous dire quelle est la politique d'habitat, la politique d'urbanisme qu'il a déjà mis en place pendant qu'il est là? Des maisons qui se construisent dans des endroits qu'on ne peut pas lotir. Puce Mbaïmoukal ne voit pas ça. Quel est le nombre de logements sociaux que Puce Mbaïmoukal a pensé qu'il a mis en branle depuis qu'il est là? Puce Mbaïmoukal est là pour des actions. Tape l'œil à Roboto Labandaku. T'as mieux. Mais posez la question à Puce Mbaïmoukal. Les maisons qu'il a arrachées, Abengani Mende, Abengani Shadari, Abengani Koronyangi, Abengani Zoé Kabila, Abengani. Qui ont remplacé ces gens-là dans ces maisons-là? Qui? On chasse les gens dans des maisons de l'État, c'est bon. Est-ce que l'État profite à l'heure où nous parlons de ces maisons-là? Allez vérifier qui ont remplacé. Les caciques et les bosses de ce régime, dans certains appartements, ils ont mis des copines. Ils ont mis leurs copines dans ces maisons-là. Puce Mbaïmoukal, Puce Mbaïmoukal, Puce Mbaïmoukal. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Puce Mbaïmoukal nous dit qu'il n'est pas esclave de son passé. Vous êtes ce que vous êtes là en politique à cause de Joseph Kabila. Ça c'est clair. Et vous, toutes les actions et les tentatives de force du changement qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est vous qui les bloquez à l'époque. Puce Mbaïmoukal a mis en place un cabinet familial où ses filles, ses beaux-fils, ses cousins. Je vais revenir avec une émission élaborée sur Puce Mbaïmoukal. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un remaniement. Puce Mbaïmoukal est en train de chasser les gens pour se vendre dans la peau d'une victime en se disant, avec ce que j'ai fait, si vous me chassez du gouvernement, je serai en insécurité. Donc il ne le fait pas pour l'État, il le fait pour ses propres intérêts. Il est propriétaire de la RTGA. Allez poser la question. Les gens sont payés à la RTGA 70 000 francs, 80 000 francs, moins de 50 dollars. Et ils ont des 30 mois d'arriéré de salaire. Lui, plus Mbaïmoukal est là. 30 mois d'arriéré de salaire. Il a installé sa fille comme une sorte de Kuna Moutoua Lobané le côté. Moi, la Puce Mbaïmoukal. Nako Zong la Puce Mbaïmoukal. Vous allez vous rendre compte que ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas forcément pour l'État. Il ne le fait, il s'est fait pour se victimiser après. Et être reconduit au gouvernement. Gouvernement, là-bas, on est aux Zélawana. Il a arraché les maisons. Qu'est-ce qu'il a fait de ces maisons-là? C'est la question qu'il faut lui poser. Il les distribue comme des petits pains pour s'attirer les faveurs de ces régimes ici. Et ça, il y a un ministre. On a dit que la maison de Zoé, Babotoli Zoé, ceux qui sont dans l'État. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de respecter la règle. Ceux qui sont dans l'État, besoin. Mais il a donné ça à qui? Les appartements qu'il a arrachés. Il y en a un de ses collègues ministres. Abandoro Kendolian a restaurant où il y a Kimbuta. Restaurant où il y a Kota Kimbuta. Kota cimetière à Gombe. La Simandaro à Kimbuta. Kota cimetière à Gombe. Il est venu là-bas. Il y avait un restaurant très connu. Il a pris la femme d'autrui. Mimoukolo restaurant. Azu Moissi Abatou. Azu ba chauffandise. Azu ba serviteur. Moissi Abatou. Azu ya komiyaye. Allons-y, moi, si on a un restaurant, il y a un mobile, il y a un tchakye. Je viendrai parler. Maintenant, bah, salir les restaurants, nanani. Pourquoi j'en parle? Vous voyez là où il y a l'ancienne cour suprême de justice, Nagombe. On a installé les restaurants dans une maison de l'État. Lui, il est ministre. A créer des ordres, azumo, à saler les restaurants. Je vais venir avec le nom ici. Bah, saler les restaurants, la limité, nananina, na kota ancienne cour suprême de justice. Ils l'ont placé dans une maison de l'État.
Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Que les maisons que vous arrachez, vous les distribuez comme des petits pains à vos copines, à vos petites chéries et aux caciques de ce régime. Qu'est-ce que l'État gagne dans cette opération? Qu'est-ce que l'État gagne? Plus, il doit d'abord commencer par payer nos confrères de la RTGA. Il doit d'abord mettre de l'ordre à la RTGA. Les gens sont là-bas. Bafouta Rabaron, 80 000. Moins de 100 dollars qu'ils payent aux gens qui sont à la RTGA. J'ai plein d'amis là-bas. Plein. Ils sont en train de broyer du noir là-bas. Avec sa fille qu'il a installée là-bas comme une sorte d'impératrice Moutalo Belo Omorote. Et là, il vient gonfler en donnant des leçons aux gens. Non. Que l'État, les maisons récupérées, profitent à l'État. Et je vous ai dit ici, si nous devons récupérer les maisons de l'État, continuons à les faire. N'oublions pas que Félix Tshisekedi, lui-même, il a grandi dans une maison de l'État. La maison dans laquelle Félix Tshisekedi a grandi, c'est la maison de Air Zaïre. Son père, Etienne, a pris ça avec Air Zaïre. Ils ont pris une autre maison à la Gombe qui était la maison de l'ENDA, École Nationale des Droits et d'Administration, quelque chose comme ça. Tshisekedi était coordonnateur de cette maison-là. Félix lui-même est un fruit des maisons de l'État, des maisons arrachées à l'État. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, allons aussi arracher cette maison-là. Félix a grandi dans des maisons de l'État que son père. Son père n'a pas acheté des maisons. Je n'encourage pas aux gens. Mais je veux seulement que nous soyons logiques. L'État, c'est le principe. L'État, ce n'est pas les individus. Le droit, le principe doit être uniforme. Il doit s'appliquer à nous tous de la même manière. Tu sais qui de lui-même, Félix? Son père était champion des maisons de l'État. Etienne Tshisekedi a une maison de Air Zaïre. Il a une autre maison à la Gombe. Et je vous l'ai dit, je vous rappelle. Ce que vous faites là, faisons-le en respectant les principes. Les principes et le droit. Et vous n'allez pas Zoé, et vous n'allez pas Jeannette, et vous n'allez pas Nani. Je vous dis, moi quand je sens que le principe est violé ici, je parlerai. Vous arrachez des maisons, vous donnez à vos copines. Je vous ai dit, le ministre, à saler les restaurants qu'on a dans la ville, côté à Cour suprême. D'ailleurs, autant à combo de n'abadresse, à bon moment la communauté. Si c'est vraiment pour ça que vous arrachez les maisons, pour donner comme ça, là, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Pourquoi vous arrachez les maisons des gens pour donner à vos copines? Jason, je sais combien de minutes. Pour arracher à vos copines. Donc, nous devons travailler pour installer des sociétés modernes. Et je vous ai toujours dit, pour moi, les sociétés modernes sont des sociétés où les principes, le droit prend les pas sur des individus. Je suis à 50 minutes. Merci, bande de commissaires. Ici, retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokunzi.